Les choix et les demandes de Meghan Markle et du prince Harry concernant le Mexique ont conduit le prince Philippe à s'exclamer « À quoi diable joue-t-il ?» a affirmé un auteur royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leur poste de membre de la famille royale en mars 2020, déménageant dans l'État de Californie, la maison de Meghan. Ils sont à peine revenus sur le territoire britannique depuis leur départ. Bien qu'il ait été annoncé qu'ils reviendraient pour les célébrations du jubilé de platine de la reine le mois prochain. Mais ni Harry ni Meghan ne sont revenus pour un service commémoratif dédié au défunt duc d'Édimbourg à l'abbaye de Westminster en mars. L'expert royal et auteur, Andrew Morton, a déclaré que lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont informé Sa Majesté de leur intention d'exercer des fonctions royales limitées mais de prendre du recul en tant que membre de la famille royale, le défunt duc d'Édimbourg n'a pas été impressionné par leur suggestion. Écrivant dans le Daily Mail, M. Morton a déclaré. En 2019, Harry a dit à la reine que lui et Meghan voulaient prendre du recul en tant que membre de la famille royale, collecter des fonds en privé tout en servant toujours la monarchie, bien que dans une capacité limitée. La réaction initiale de la reine a été qu'il était presque impossible d'être à moitié à l'intérieur et à moitié hors de la famille royale, cela ressemblait à être légèrement enceinte. Plus tard, la réponse indignée du prince Philippe à la déclaration d'indépendance du couple a été « À quoi diable joue-t-il ? » Le défunt mari de la reine, décédé en avril 2021 à l'âge de 99 ans, s'est séparé de son petit-fils alors que la scission du Mexique s'approfondissait, a déclaré l'auteur royal et biographe Ingrid Seward. Elle a confié à Vanity Fair peu de temps avant la mort du prince, Philippe a accueilli Meghan au début. Il sait ce que c'est que d'être un étranger, et il est donc toujours très favorable aux personnes qui se marient dans la famille.